Je ne comprends pas, hein. Le docteur Mbayang vient. C'est un bonjour, je le dis à ma façon, hein. Au début, tu étais avec... Excusez-moi, j'étais en direct. Joséphine Bayan vient. Début, Joséphine Bayan, la milliardaire. Au début, c'est bizarre, hein? Tu ne fais plus assez des achats, hein? C'est rien tant sûr. L'argent est fini. La dernière fois que tu étais ici, mettez mon écœur. Hein. Vous devez les soins, vous ne devez pas mettre les cœurs aux gens. Quand on dit qu'on met le cœur, vous ne mettez pas le cœur, je n'aime pas ça. Si moi je mets le cœur là, si moi je mets le cœur, la personne commande, si une personne commande, je bloque. On est clair là, non? Ok. Et si moi je vais mettre le cœur dans les choses. C'est lundi. J'avais de babado aujourd'hui. Mais ne tentez pas, ne mettez pas le cœur. Parce que si moi, j'ai mis les cœurs la première, que personne n'a mis les cœurs avant moi. Personne ne commande, si tu es qui, je te bannis. Avec moi, c'est ça quitte ou double. Voilà, comme c'est moi-même qui a mis les cœurs. Tu es arrivé, on a mis au même moment. Hein. Donc, je parlais alors que hein, vous aimez entendre le socle ici à Facebook, vous ne connaissez pas. C'est qui ça, Bayan? Voilà ta soeur, voilà ta soeur là-bas, ma pépé. Qui te les donne? Peut-être que tu donnes souvent ma pépé, elle ne dit pas. Hein, ma pépé. Il faut nous dire peut-être que Joséphine Bayan t'a donné l'argent hein, pour les orphelins. Comme vous avez souvent vos milliardaires cachés là. Parce que je ne vais pas comprendre qu'elle verse les millions là-bas chez les Bamilékés. Chez Nkankam. Hein? Toi, tu fais le bon travail, ne donne rien pour toi. Mais va seulement savoir, hein. Parce que les bonnes œuvres doivent se dire en vérité, dans la lumière. En tout cas, c'est entre vous là-bas. À la base de cette histoire, Pipi, la malchanceuse de la toile, qu'on appelle Pipitologo, c'est elle qui était avec Joséphine Bayan au début. Hein? Joséphine Bayan aussi voulait qu'on la voie qu'elle a l'argent. Parce que Bayan et...
rien contre la prostitution à Malabo. Donc c'était les collègues de Malabo dans la prostitution. Hein? Pipi, elle avait la tête à l'air. Et la villageoise Bayan, c'est une villageoise, hein? C'est l'agent seulement qui l'a sauvé. Je dis Bayan, tu as déjà vu l'église de ton village là. Parce qu'au dernier niveau, tu devais construire l'église à ton village. Hein? Tu as vu l'église là. L'église épaisse de ton village, tu as vu l'église. Voilà maintenant. Lolo. Lolo marchait avec Josephine Bayan. Je ne sais pas pourquoi Josephine Bayan venait, maman. Lolo porte le sac de Josephine Bayan. C'est une soirée. Mais Josephine Bayan voulait là où il y a la lumière. Le jour au lendemain, boum. Et il a pris Josephine Bayan. Voilà quoi. Joseph, ou ce zombie, ou c'est sa femme de main là. Quelqu'un m'a encore pris encore la femme de main de Lolo. Moi, je pas, moi, c'est l'Indien. Chaque personne fait ce qu'il veut dans sa vie. Le fils Bayan, je suis quoi? Tu es quoi? Tu ne peux pas m'aider un jour. Pourquoi? Tu vas donner l'argent où là-bas? Les gens l'entendent uniquement pour l'argent. Tu étais avec qui ici? La dernière fois que tu es venu ici après, je m'attaque à toi, le fils Bayan. Tu es parti dans ton... Dans ta boutique préférée, Louis Vuitton. Maman, là, on t'a été tué là-bas. Tu sors les cartes. Tous les cartes étaient fermés. Hmm? T'es fermé. Il manquait seulement l'hôtel. Heureusement que ton mari avait payé l'hôtel avant. Tu es rentré en Manille. Où c'est où que tu vis là? Hmm. À Bangkok, où c'est Bangkok? Où tu vis? Quand t'as rien pu parler de toi. C'est bizarre, tu ne viens plus à Paris ce dernier temps, hein? Mais tu es là, tu vas faire la soirée. Je serai à la soirée de Paul. La soirée qui est passée, Bayan, tu étais là. Hein? Bayan, Josephine, tu vas. De toute façon, moi, je t'insulte quand je veux. Je n'ai pas peur de toi. Même ton argent, là, je m'appelle. De toute façon, tu es pauvre, tu n'as même plus rien. Tu étais avec qui ici quand tu venais ici à Paris? Comment tu as dans ta que tu paies des Louis Vuitton? Alors que là-bas, à Bangkok, là-bas. Louis Vuitton encore là-bas, c'est beau. Il faut que tu remplis toute la maison de Louis Vuitton. Les Louis Vuitton lourds. Pour montrer que tu es quelqu'un. Vous croyez que c'est un sac qui peut faire quoi? Oui, c'est quand même un peu élogé, prestigieux d'avoir un petit sac de marque. Voilà ma part qui sont qui pousse au Cameroun, qui pousse ici. Je porte ça. Toi, chaque fois que tu viens à Paris, si tu ne pars pas à Louis Vuitton, pourtant là-bas, à Bangkok, il y a Louis Vuitton, Bangkok, ça n'est pas même Louis Vuitton qui est ici. Mais il faut que tu viennes carrément payer. C'est pour que tout le monde te voit. Au Georges 5 dans un. Quelle place. Tu as eu la chance, hein? Toi, ta chance. Nous, on fait les bonnes œuvres. Tu vois la veuve, je rêve comme ça. Tu envoies quelque chose pour la veuve, tu n'en vois jamais rien. Si c'est pour faire les miennes à Facebook, les miennes. Pour donner un cancam. Parce que la langue de l'eau était très courte. La langue de cancam entre juste parce que comme tu aimes les femmes là, comme tu es lesbienne là. La langue de l'autre n'est pas très longue. C'est la langue de feu de lui qui est bien. Tu le dis partout. Elle vient te voir à Bangkok, à Dubaï, à Bazabazabaza. Shame of you too. Ah ouais. Pourquoi tu n'as pas vu la dernière fois? Dans tout ce que le vrai tout. De ce moment, je me dépouille ce Bayan ce matin. Thank you.
Waouh, 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 waouh. Hein? Dans la chambre. Non, je ne suis pas une femme, hein. Oui. Oui. Toutes les femmes, toutes les filles qu'elles invitent, c'est pour faire des quoi, la lécher. Et je dis, écoute, tu veux que je t'aide, mais viens me voir à Dubaï, hein. Elle te paye le billet aller-retour. Si tu as demandé 3 000 euros, elle te donne 4 000 euros. Tu vas la lécher propre. Lola a fait ça, ce n'a pas tu. Elle a chassé Lolo. Elle a pris maintenant la lèche. Lèche, c'est l'histoire qu'on appelle le crinkam. Oui. Et comme les dossiers là, elle a donné la femme qui l'a. C'est que toutes les femmes que vous allez voir avec Joséphine Bayan, la lèche. Son mari travaille à mer. À mer. Donc, pour ne pas être avec des hommes, elle préfère être avec des femmes. Ah, it's my doctor, my sister. Yes, my sister. Qui va dire que non? On n'est pas dupe. Son mari préfère la voir lécher les fesses des femmes. Oui. Elle a tellement trop fait. La dernière retrouvaille, c'était de Jay Yango. Elle est tombée à mon de Jay Yango. Il y a un morceau calculé. Elle est tombée à mon de Jay Yango. Elle a vu le fond que la femme, si n'a pas l'argent. C'est les femmes qui vit que je m'en les femmes entretenues quoi. Oui, elle a peut-être l'argent, mais pas assez, mais pas un plafond assez élevé quoi. Les femmes qui ont le plafond assez élevé sont les voici à Facebook. Oui. Albertine de Belgique, voilà une femme qui a le plafond élevé. Je ne fais pas à part montrer les hôtels, la luxure dans les hôtels. Il y a encore quoi? Il n'y a plus rien. Mais oui, faut dire la vérité. Elle est là, son fleur de lit. Mouf! Regardez-les! Je vais vous dire. Regardez-les! Il y a un qu'on appelle Douabala avec sa femme. Maman. Donc, il y a quelque chose les âges. Vous allez vous faire monter là où il y a les gens de petite vertu, les gens de petite classe. Il faut aller au focus. Là où tu sens qu'ici, là. Ça va. Vous partez où? Dans les musées, le milieu des noirs, là, dans les fêtes à la con, là, pour vous faire voir là-bas. Mais allez alors, quand vous avez l'argent, allez manger, boire. Là où les gens de votre standing, au standing sont, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Tu pars t'asseoir, avec la veste sur toi, tu manges les ailes de poulet de 10 euros. Et tu me parles fort. Ben, belle. De Dieu Yango, vous connaissez l'histoire, non? Comme De Dieu Yango, c'est un bon gigolo. Je ne sais pas comment elle a fait pour avoir De Dieu Yango. Hein? L'histoire l'a chauffé ici. Je suis bien. Après, j'ai appris que. Elle a dit que c'était pauvre. Elle n'avait pas d'argent. Il est parti là pour faire. Pour monter ses projets. Que pour ma petite soeur, même si on sort ensemble, je ne suis pas seulement venu ici pour te niaise et me doser dans un grand hôtel. J'ai regardé que c'est bon. Les pièces sont venues d'où? De Jérusalem. Il a dit que le petit Bayan, c'était chaud sur elle. Au même moment là, il dit à son mari que. I'm very troubled. Quand il est à Paris, pour venir bosser dans leur célèbre hôtel, il est tombé à ça. L'hôtel était bien payé. Je ne m'attends pas encore sa bande de copines là. Cougna, 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 cougna. Pas de faire les courses aux Champs-Élysées. La carte. Denis. On l'avait dit qu'elle avait elle n'avait même plus de compte parce qu'il faut avoir un compte, il faut toujours avoir un compte dedans. Elle n'avait plus rien. Est-ce que maintenant, est-ce qu'on fait encore? Si moi j'étais bien riche maintenant, moi je m'en vais dans leur truc, catalogue, tout ça. Je choisis une chaussure à ma taille, centimètre et tout. On vient de livrer ça chez vous. On ne se met plus en rang pour aller se faire voir chez Chalézé.
Moi, j'ai vu ça à Monaco. À Monaco, tu ne vois jamais les femmes. Tu vois seulement comment les coursiers sont seulement là, dans les chambres avec les Dior, Chanel. Tu vois comment les gens sont seulement en train d'entrer dans les trucs. Les Dior, Chanel, tu vois seulement les coursiers. On ne vous voit même pas. Maman, les gens sont là, les petits gars dans les hôtels. Ah, chérie, je veux ça. Oui, il fait seulement comme ça parce qu'il y a un compte là-bas chez Dior. Maman. Il n'y a que des villageoises camerounaises qui partent encore s'allier là-bas. Pourquoi aller dans un petit coup de champagne pour montrer que j'étais chez Dieu. C'était à l'époque. Hein. Quand on allait là-bas, on payait les choses là-bas. On nous donnait les. Il y a même les invitations là-bas quand il y avait leur fête, les fêtes de Louis Vuitton et tout ça. Il y avait les fêtes. Personnel shopper, c'est ça qu'on dit. Si tu vois une camerounaise qui part entrer dans un magasin, c'est une villageoise. Si tu en comptes là-bas, dès que tu payes, c'est le personnel chauffeur, viens te chercher, viens parler tes choses, viens te donner ça à l'hôtel. C'est un peu comme à quand que les femmes entrent derrière, oui, ça peut aussi arriver que toi aussi, même si tu veux aussi faire tes courses. Mais la plupart du temps, dans le monde moderne ici, pour ne pas choquer la propriété qui est pauvre, pour les personnes, parce qu'il y a des gens qui sont pauvres, pour ne pas les choquer quand tu vas monter là avec tes Louis Vuitton, comme ça, les cartons et tout ça, non. Il y a le personnel chauffeur qui va faire ça pour toi. Tu ouvres la porte, on te donne tes trucs. Il y a tout le temps, oui, tu prends un petit billet de 50 euros, 100 euros. Bon, ou 20 euros, même 10 euros, tu le donnes. Parce qu'il faut bien les donner quelque chose. C'est tout. Couillant, couillant. Depuis qu'on a pris ta carte bancaire ici, Joséphine Bayan, tu es star, non? Comme tu as dit, tu es une quoi? Tes 5 croissants là, tu ne les regardes pas. Tu passes mal de ton côté là-bas. Ya! Yeah! On est à manger vos cerveaux là-bas. Après, le papa dit là-bas que. Non, je suis très tribaliste. Les gens sont ici là. Tu vois tes sangs quoi qui sont, tu n'aides pas. Tu passes seulement aider là-bas en face. Là, on ne vous considère même pas. C'est les gens en face avec qui tu étais le jour que ta carte a été refusée ici. C'est les Champs-Élysées. Chez Louis Vuitton. Tu étais avec eux. Tu vois comment c'est moquer de toi. Hein? Qui savait que tu sortais avec les Jay Yang? Les gens d'en face. Ils t'ont souillé ici à Facebook. Moi, tu as fui Facebook. Maintenant, tu veux revenir. Tu veux nous parler ton français, la con, là. Moi, je te méprise. Parce que tu n'aimes pas les quoi. Tu étais avec eux, non? Tu as fui la poisson de l'eau parce que sa langue écoute. Tu es parti prendre les vraies personnes qui savent manger les fesses, comme Kankam. Tu n'as pas honte, tu quittes ton mari pour venir te faire manger les fesses en France. Il faut la voir le jour là. Je veux bien vous voir le jour de la soirée là. Faut partir. On va voir ça ici. Et doit parler à toi et ta femme. Arrête de sauter dans les fenêtres. Reste pour là-bas en Allemagne pour une fois. Reste pour là-bas. Tu es partout avec les mêmes gens. Partout, les mêmes filles que tu baises. Partout, et doit parler. Donc vous êtes quoi là? Vous êtes venus pour renfouer les poches des babliques là. Ils ont besoin de vous. Un monsieur comme toi, tu es en train de sauter dans les soirées. Tu aimes tellement la vie. Oh, moulez-moi de mes fesses. Je vais vous prendre vous tous one by one. Vous ne remettez pas honte d'aller là-bas. Vous partez faire quoi là-bas? Hey! C'est quoi? Moi, j'ai dépassé. Là, on vous insulte chaque jour. Vous partez. On vous méprise.
Oh, mon Dieu, de mes fesses. Regarde, mon sang, mon sang. Lui dit maintenant, mon sang vit et respire, c'est pas pour la soirée là. Il dit que mon sang vit et respire, c'est pas pour la soirée. Mais Warren ne partait pas. Et tous les bêtises qui vont partir là-bas, je vais vous mépriser jusqu'à. Je vais crier vos noms sur tous les toits et regardez-les. Vous allez partir où? Vous pouvez m'aller, vous allez partir où? C'est qui? C'est là. C'est là. Mamiton est morte ici. Nous sommes arrêtés au bord de Mamiton. Elle ose venir, elle monte dans le direct d'Amazon pour venir insulter les quoi? Et les bêtises. Et vous allez partir là supporter sa soirée. Vraiment. Heureusement que vous allez, je vais vous barrer la route, vous allez voir. Charge de salle, hein. Charge bien de salle. Tu vas voir la magie là-bas, la magie le jour-là. Je suis là, je serai derrière tout ça, tu vas voir. Je te rêve, je te rêve jusqu'à ce que ce n'est plus bon. Tu es une mauvaise femme, une mauvaise personne. Tu aimes les gens pour leur bien. Tu aimes les gens qui t'apportent quelque chose. Quand quelqu'un t'apporte rien, tu n'es plus avec la personne. Hein? N'est-ce pas, tu as juré ici que wow. Amout, maintenant tu avais Amout, non? Tu avais Amout, tu te crois avec Amout? Ou voler, Yakuba. Yakuba. Tu as souillé ce type ici, mais aujourd'hui vous êtes ensemble. Donc, on dit que les prostituées et les bandits sont, doivent, ils fonctionnent ensemble. Ce sont les deux bandits. Vous devez que fonctionner ensemble. Il faut la voir, la robe qu'elle est partie à Londres là. Les chaussures de ça, la robe de ça. Comment tu as grossi avec quelqu'un? Yeah, on t'a distingué encore parce que tu adores les distinctions. Tu as laissé ton sac de ton calamogo là où pipitologue là-bas, elle ose à bois. Elle a raté sa vie, elle ose à bois. N'allez pas! Que bon Dieu, oui. Je veux voir les bassins, les balles, les traîtres bassins. Les bassins sont les traîtres. Je ne fais pas un traître bassin. Hein? Il y a ceux-là qu'on appelle qui vont les mèches, les fausses mèches là. Qu'on appelle ce qu'il y avait là-bas. Là. Aïcha Jemila. Voilà encore une autre. Une autre. Vous savez le nombre de gens qui m'ont appelé sur ton nom ici là que tu ne vends pas les bonnes choses, que c'est faux, que tu sais, les choses n'arrivent pas à l'heure. Que tu dois l'argent aux gens. Regarde-moi une poufiasse. Quand t'as mis nu ici, dehors ici là, heureusement que j'étais là, j'étais appelé. Pardon, tu as levé le compte là vite fait. Tu es revenu. Tu vois pas là, maintenant c'est toi qui es la donatrice internationale des perruques. La donatrice internationale des perruques à qui? En Kankam. Bebele. Voilà encore une autre. Vous tous là, je vais vous prendre. One by one. Si. Mais ça, vous savez, dans la vie, c'est. Il faut avoir la crainte de Dieu. Moi, ce que tu me donnes, je te donne. Tu me respectes, je te respecte. Mais attends. C'est qui? Attends, il faut que je sorte là. J'ai envie d'écouter donc le sujet. Fiche! Ben, belé! Le Camerounais avait le suivi. Vous pouvez pas. Faites-vous avec vos blogs, faites vos blogs. Venez pas! Donc, ça ne vous va pas faire de livre, vous n'êtes rien. Hein? Regardez-les. Ils sont là. Ils font la publicité de qui? L'enchinda de Facebook, l'enchinda, les rientons, les raterates sont avec toi aujourd'hui, demain, après demain. Tu vas tous les prendre, tu vas tous les tuer. Repars encore là où tu partais souvent là-bas, non? What?
pas, je prends pas comme signes. Tu peux me prendre une recharge maison verte? Tu veux pas un truc vraiment efficace? La maison verte, c'est efficace des 20 degrés et écolabellisé. Et j'imagine que sur le pack, il y a une maison verte. Et oui. Maison verte, efficace, tout simplement. C'est pas, hein? Les Camerounais sont venus en France pour aller à des soirées des noirs. Oh. Ils ont pu d'aller là où il y a des blancs fâchés des noirs. Non, c'est un peu trop là. Hein. Notre époque, on a grandi avec Doc Généco ici. Je dis que n'allez pas à sa soirée. Elle va vous vendre. C'est une femme qui pense qu'à elle. Même la robe, n'est-ce pas, je disais ici, j'ai ma boutique, maman, quand la main est sortie le jour là. J'ai ma boutique, la bièse est où? Où est la bièse? La honte allait nous tuer si maman était contente, maman, donc comment j'allais à toi? Alors que c'est pour quelqu'un d'autre. Éphémère, tout ce que tu touches est éphémère, tout. On va faire comment? Tout ce que tu touches est éphémère, quelqu'un. Toi, au moins, tu as des papiers français que tu peux voyager avec tes gens et tout ça. En dehors des papiers français, tu es où? Tu, quand ton mari va mourir, tu vas hériter quoi de lui? Un mariage que tu as payé? Hein? Un mariage que tu as payé? Tu n'as pas d'enfant, tu dis que Chupi, c'est ton ancien. Chupi, c'est le dernier fils de maman Anna. Tout le monde le sait. Elle va me dire que le sang, je le sais, je suis au courant de tout. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant. Tu as reconnu ton fils. Comme son enfant, il n'a même pas eu les papiers. Il a eu les papiers étant à 18 ans. Après, tu as refusé de donner les papiers à ton fils. Il a voyagé dans la même filiale que toi. Mon fils travaille. Mon fils a fait ceci. Mon papa, c'est ton petit frère, dis donc. Il se manque. Tous les gens qui vont partir, abstenez-vous, ne partez pas la soirée là. Abstenez-vous, ne partez pas. Oui, à la soirée là. Les RRR, je ne filme pas, hey, je serai là, et toi, là-bas, c'est toi, votre misérable villa, et je serai là, vous vous squattez dans les soirées des gens et tout ça, vous croyez que ça n'allait dans les soirées, dans les mêmes prostituées, les mêmes voleurs, dans les mêmes soirées là, c'est moi qui vous dis, mais Walous, il y a qui, il y aura qui, comme d'habitude, les mêmes promoteurs de soirées là, con, ils seront tous remplis là-bas, il y aura qui, il y aura les mêmes gens, en fait, les mêmes gens qui sont là-bas. Allez sur les Champs-Élysées. Il y a des soirées parties. Vous allez dans le carnet. Vous allez mal. Vous tapez les soirées. Vous tapez à Google. Vous voyez les soirées qui sont à Paris. Oui. Oh, il y a les trucs. On va vous dire les soirées à Paris. Même vous partez. Dans ces soirées-là. Je vous dis. Vous allez voir les gens différents. Vous allez voir les Camerounais là-bas. Vous allez voir les Antillais. Vous allez voir du beau monde, quoi. Dans les belles salles. Et ce ne sera pas 150 euros la place ou 100 euros la place. Tu payes ton pâte, c'est 20 euros. Et à l'intérieur, tu consommes. Pourquoi tu dois vouloir toujours aller vous mettre dans votre tour d'Africain? Mais j'ai l'impression que je ne comprends plus. Hein. Il y a certains Africains qu'ils ont choisi qu'ils partent. Ils ne connaissent même pas. Hein. Non. C'est les mêmes gens qui sont là. Vous voulez montrer qu'on est là, on soutient. Votre soutien là, hein, on va prendre vos âmes. Parce que quand je parle ici à Meta, vous ne me comprenez pas. On va prendre vos âmes. Comme vous voyez là. Oui. Je vous préviens que n'allez pas à cette soirée. Je suis jumelle quand je parle. Moi, je suis visionnaire. Je suis visionnaire. Quand je vois quelque chose qui ne va pas, je vous le dis. N'allez pas à cette soirée. Il y aura les fantômes là-bas. Elle va aller réveiller tous les fantômes de la Louisiane pour venir manger vos cœurs, vos esprits là-bas. Parce qu'elle part maintenant, quand elle va aux États-Unis, Nouvelle-Orléans. Elle part à Nouvelle-Orléans. Elle part à la ville qu'on appelle là-bas que Louisiane, Bâton Rouge. C'est là-bas qu'elle part faire ça. Là où c'est médiocre, n'est-ce pas? Partez alors. Mais attends, mais vous tapez sur Google pour savoir. Vous interrogez Google pour savoir est-ce qu'il y a les événements sur Paris? Est-ce qu'il y a des soirées privées sur Paris? Bah oui. Tu payes ton passe sur internet et puis dès que tu arrives à la porte, seulement tu montes ton passe, tu entres et puis tu t'amuses comme un fou. Tu peux raconter les bonnes personnes là-bas, tu peux faire certaines choses là-bas. Oui. Non, ça coûte pas cher.
Ami, le passe même que tu payes 20 euros, le passe là, hein. Ça va ça comment devant ton fil, le premier verre même dedans. Après, là, attends de finir de voir le verre doucement. Quelqu'un d'autre peut. Il y a tous les hommes célibataires là-bas que tu peux venir là-bas, ramasser quelqu'un là-bas. Oui, est-ce que moi je fais souvent? Oui. Vous croyez que les gens quand ils sont privés si que c'est quoi? Non, ça se passe sur Google. Vous tapez pour chercher à savoir le nombre de soirées qui seront à Paris, dans quelle région et combien ça coûte. Hein? Ça, on va pas aller voir les pipis du chat. Ça, c'est quand on va pas aller voir quoi. Avec 20 euros, tu pars ici. L'autre jour, j'étais au drugstore. Je n'ai pas allé dans ce drugstore. Il y avait la musique. J'ai dépassé. J'ai quand même pris mon chardonnay. On m'a fait le chardonnay à 11 euros. Vous avez vu la musique, il y avait la bonne musique, la house et tout ça. Et puis, bah, comme il n'y avait pas assez de trucs. C'est tous les soirs comme ça. Comment je dis, c'est lundi là, je m'accomplis que pendant dépose moi, j'ai ma soeur qui a la voiture. Je m'en vais là-bas. Tu vois, tu veux qu'un monsieur qui est seul là-bas, tu aussi, tu le clôtures seulement. C'est comme ça qu'on fait. Vous allez perdre votre argent. Vos maisons sont remplies de foufous, des femmes, des hommes de soirée. Pour faire plaisir à qui? Qui va vous regarder? À qui vous connaît? Je suis désolé. Moi j'arrive là-bas, moi on me connaît. C'est moi qu'on va regarder, vous ne me reconnaissez même pas. Combien de fois on va faire, les gens vont passer. Devant, il y a quoi? Hein? Il y a quoi? Le monde regarde que les stars, on ne regarde pas les non-nèmes. Donc tu vas payer ta soirée, qui a même pas le même concept que tu as même payé une belle robe que non. On ne regarde pas toi, on regarde Ngossa, on regarde Veuve, on regarde Tinda. On regardait tous ces gens-là. Que, mais dis-donc, j'ai réussi bien la bière. Les gens sont que pour dire, ce sont les femmes qui font le disons à Facebook là. C'est tout. Allez au monde là où votre robe va vous. Ça va être rentable. Ouais, non. Allez là où votre robe, mais quand tu vas porter ta robe, tu seras content de porter cette robe-là. Là où il y aura la valeur dans les yeux des gens. Hein? À l'époque, quand nous on sortait ici, tout le monde se regardait, tout le monde, parce qu'on n'était pas star. Tout son été, on allait dans les soirées, tout le monde dit, qui a ma brillante? Maintenant, ce n'est plus ça. Tu pouvais porter une robe qui a coûté peut-être 10 000 euros. Moi, je porte une robe qui a coûté peut-être 1 euro. Mais, c'est moi qu'on regarde. Parce que c'est moi la star, c'est la visibilité. Tu payes la robe des chaussures là pour qui? Hein? Pour qui? Quand on porte les choses, attends, c'est pour se faire voir. Tu vas porter ta robe que personne ne va même prendre ça en considération, alors que moi, je vais porter peut-être les babouches. C'est moi qu'on va regarder. Alors, c'est pas la peine. Moi, je vous donne les tuyaux, mais à partir de ce soir, mes warriors. Je vous amène quelque part ce soir. Mais je ne veux pas tourner de moi là-bas. Oui. Là-bas, tu entres. Même sur Google, si tu as ta carte bancaire, tu peux payer. Ou bien, avec le passe. Le passe là, tu fais le scanner, le passe. Voilà. C'est tout, tu arrives là-bas avant d'entrer. Ils ont une petite boîte comme ça, tu payes l'entrée, mais il faut déjà que tu aies le passe. Tu es à l'intérieur. C'est beau. C'est comme si tu partais en Indonésie. Il y a des fleurs partout. Il y a ceci. Sauf que moi, je pars toujours à repérage. Donc, il m'avait d'abord repéré les lieux. Et puis je regarde bien, parce que quand je parle de bon vin, je regarde bien là où je vois que les jeunes, parce que les jeunes dans tous les bons de nuit, il y a toujours un côté que les jeunes aiment aller s'asseoir entre eux. De l'autre côté, tu regardes bien les côtés des bordels, et tu regardes bien les gens qui sont assez aisés, qui sont assis, c'est là-bas que moi je m'avais souvent m'asseoir. Parce que quand je sors, je m'habille, je ne suis jamais habillé comme un... Alors peut-être que je peux laisser un peu mes seins déborder, mais tout le bas... Et bien couvert. C'est comme ça qu'on fait. Vous êtes là, vous allez où? Dans quelle soirée? Tu vas payer ton habit. Edouard, bah là, toi là. Edouard, oh mon ma. Donc, pour être quelqu'un, il faut toujours aller dans. Tu vas soutenir. Tu soutiens qui? Hein? Edouard, bah là. Oui. Mais quand vos soeurs et frères ont besoin de vous, vous n'êtes pas là. Vous voulez quoi? Tu vas les soutenir. Hein? Les pères, tu as porté quoi le tout? La dernière fois, tu as porté le rose. Hein? Le tout, ça serait quoi le vert? Le belin. T'as la dignité. Toi-même, tu peux y créer, faire les soirées, non?
Regarde, me demande la salle qu'il a pris pour aider son frère. Comment tu peux faire une soirée? Mbap. Vous et moi, c'est lundi. C'est lundi. C'est ta vie, c'est ton année. Notre époque, Bébé là, il a vieilli aussi, vraiment. Ah. Mon papa, moi, est un gangster. Le type, c'est où? Tout ce Tony Boxy, où c'est qui? Laissez-moi, je suis avec les gens de mon époque. Cofinish présente projet numéro 7, la rénovation. Vous savez, quand vous ne croyez pas ce que je dis, allez à la soirée. Tu dis la vérité, on va toujours t'écraser. Je vous dis la vérité. Ne partez pas cette soirée. Moi, je suis ici. Hein. Bye, me. Viens. Oh, tu es parti à quoi? Oh. Ah, Miami. Miami. Ok. Bye, tous. Soirée, je vous dis, mais ouais, écoutez, hein, quel est tout ça vous engouffrez dans cette chose? Hein? Vous tapez soirée parisienne, ou la vie, parce qu'il y a la vie parisienne aussi. Vous tapez tous les événements de Paris, les boîtes de nuit branchées, les soirées branchées, les longes branchées. Vous partez là-bas, on va vous laisser. Vous allez toujours aller. J'ai l'impression quand je vois mon Facebook, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune personne qui va un peu montrer un peu la Paris. C'est tout le temps fourré là où il n'y a que les noirs, les noirs, les noirs, les noirs. Ouais, mais si je... En tout cas, moi, je ne vous comprends pas. Tu es malade, hein. Je vais te mettre de l'hyprane, hein. Elle m'a aimé. Voilà ma part que j'ai trouvée là-bas dehors. Je suis moi avec elle ici. J'ai pitié d'elle. Il faut qu'elle se soigne. C'est comme si elle est malade. Elle n'est pas gentille ce matin. Mamie. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Je regarde ce que tu as dedans. Non, c'est bon. Quand je donnais le riz avec les piments hier là. Bébé, tu es un bébé, toi. Non, après, je veux partir à TikTok. Aujourd'hui, je vais m'asseoir à TikTok aujourd'hui. Mon papa, moi, est un gangster. Bah, allez, je sais pas, tu n'arrives pas à te tenir debout. Mais qu'est-ce qui se passe? Attends, je te mets ici. Attends. Ok. Tu te tiens plus debout. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Mais... Ça marche plus. Si je dis que tu veux y mourir, tu me dis, je te fais les sacrements, tu pars en paix.
Je ne menace pas. Vous savez que hein, la plupart des gens qui rentrent là-bas sont les gens qui sont dans la secte là. Dans la secte. Il y a une grande secte qui va se dérouler ici à Paris. Ne partez pas. On va prendre vos âmes. N'allez pas à cette soirée là. Il faut partir, non, n'est-ce pas? Après, vous allez voir. Il faut partir à cette soirée, vous allez voir après. Non, 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 tu ne non, tu restes pas là-bas. Tu te mets dans ta chambre là-bas. Il y a à manger, il y a l'eau. Je vais te donner les données pour tout à l'heure. Je vais acheter les médicaments. Tu es. Hein? Voilà, tu es à l'eau, tu es à l'eau. Je reste là-dedans. D'accord? Ou bien tu veux rester sur le lit? Voilà. Et t'inquiète pas, si tu veux mourir, tu manges, je vais t'attirer. Je vais aller creuser un petit tout là-bas, tu dailles. Hein? Tu vois, tu chies partout dans la chambre, maman. Hein? Bois un peu d'eau. Hein? Bois. Bois. Voilà. Hein? Voilà. Tu vois, tu bois un peu d'eau. Mais tu es perdu ce matin, hein? Mmh? Voilà. Reste couché. Couche-toi. Tu es malade. Voilà. Reste là-bas. J'ai dit et j'ai dit ne partez pas. Faut appeler non. Si les gens qui ont des oreilles entendent, on va vous vendre. Là où elle adore quand c'est elle qu'on voit. Voilà comment elle anéantit. Voilà comment elle anéantit Lolo. On anéantit quelqu'un devant vous, vous ne voyez pas. Que comme elle anéantit Lolo, Lolo est fini. Hmm? Parce qu'elle adore quand elle avait les gens qu'elle anéantit. Qu'elle ne peut pas t'anéantir, c'est des problèmes. Hein? Non, j'arrose mes basiliques. Hein, mes basiliques là-bas. Hmm? Des trucs frais. Maman, je vais travailler aujourd'hui là. Parce que la folle ne m'appelle pas. Merci Dieu. Je n'ai pas envie d'aller là-bas aujourd'hui. Hey, maman, n'allez plus dans les soirées. Il dit que n'allez plus dans les soirées africaines. Camerounais ici à Paris. C'est moi qui vous dis. Hein? Mais allez ailleurs. Les mêmes gens. C'est la femme là. C'est la femme là. Donc je viens chez toi, je paye une table chez toi, tu aussi déjà venu chez moi. Je suis fâché avec quelqu'un, pourquoi? Parce que moi, ici quand même, il y a quand même 1500 euros chez moi, on n'est jamais venu chez moi. Quand elle faisait encore mon gada. Vous voyez non? C'est pour ça que je suis fâché contre elle. J'ai compris qu'elle c'est une personne que tout le, elle veut seulement parce que le fait qu'elle va venir chez toi. Avec, mais tu vas aussi dans les gada, mais n'oublie pas que les gada là, c'est aussi une star qui est dans les gada. Et les gada là. Ah, voisin. T'as pas travaillé aujourd'hui? Je suis en télétravail. Tu travailles de quoi? Tu fais les abdos? Ah, là, c'est mon frère qui vient, là, j'y vais, là, après. D'accord. Ah, il fait froid. C'est mon voisin policier, s'il me plaît, bien. Je peux les draguer. Je dérange. J'ai dit que n'allez pas. Il n'y a que Bordeaux, oui. Vous allez gâcher votre argent, vous allez chez les blancs là-bas. L'entrée du blanc, c'est 20 euros. L'entrée du noir, c'est 100 euros, 150 de quoi. Hmm? L'entrée, allez chez les blancs, dis donc, vous êtes venu en Europe pour venir chez les noirs. Vous n'avez pas les associations de bandits ici, les associations de prostituées, les associations de... Maman, allez même chez les Congolais. Je suis chez vous. C'est
C'est vous qui voyez une comme moi. J'en ai rien à battre. Je ne mets plus jamais les pieds dans vos choses. Mais j'aurais quand même dû aller dans la soirée de qui c'est que tu mets. Malheureusement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Du coup, je ne suis pas allé. Donc, on ne sait pas si vous perdez. Je danse les mia. Vous reconnaissez, je danse les mia. Parce qu'avec le bonus kilomètre maf, jour le mois, donc je paye moins. Les années 90, on a ça à quoi? Les danses, les mia. Je m'ennuie. Mais partez, si vous ne pouvez pas me regarder, c'est votre problème là-bas. J'ai fini de manger. Je dois grossir, non? J'ai dit ne partez pas la soirée là. Quand on vous dit la vérité, vous n'en acceptez pas. On va prendre vos âmes là-bas. Elle fait le tour du monde pour prendre vos âmes. Ne voyons pas déjà, il n'y a rien mal que je m'avais dit. Le type, il me supporte, c'est un policier. Hein. Il me supporte jusqu'à. Le policier s'est fatigué avec moi ici. Parce que ici, comme c'est le salon ici, ça c'est la chambre ici. Le type, il doit dormir avec les. Avec les trucs. Mais lui, il est dans la représentante des fraudes. Il est dans les gens, c'est la base, la BAC. C'est la BAC, c'est ça, oui. Souvent, il s'habille, maman. Il s'habille souvent en commando. Et une fois, quand je lui ai dit, mais je t'avais vu, tu souviens, il me dit, mais non, c'est pas moi. Je dis, si, j'étais là. J'étais rencontré là-dedans avec un. Il vivait avec une de ses copines, la fille est partie. Mais il m'aime bien. C'est marrant, il me regarde, quand chaque fois qu'il me regarde, intensément. Je sais pas. Et moi, je suis dedans intensément. Moi, je sais pas. Non, on peut pas s'entendre. Mais il est très sympa. Hein? Non. Hop, c'est la maman. L'autre là, c'est ma mère Emilia. Elle était là avec nous tout à l'heure. Elle est dans la chambre là-bas. Il faut qu'elle se repose. Elle a un peu l'air souffrante. Elle fait la diarrhée là. Parce qu'elle boit l'eau. Je ne peux pas la laisser partir maintenant. Je ne peux pas la laisser parce que si je la laisse partir, ça va me faire mal de la retrouver morte là-dedans. En plus là, il fait pas beau. Il pleut et tout ça. Elle va s'abriter. Comment elle va manger quoi? C'est un bébé encore. Si elle peut rester là, dans la chaleur, tu vois, non? Ouais, je pense qu'elle est malade parce que là, elle a fait, il y a beaucoup de diarrhée là. Elle fait la diarrhée. Ben, c'est normal. Tu sais aussi, elle est stressée un peu. Et c'est bien aussi, c'est une bonne chose qu'elle fait la diarrhée parce que depuis qu'elle est arrivée, elle ne faisait pas des caca. Mais là, elle fait déjà. Depuis hier, elle fait, c'est bon. C'est un bon signe quoi, qu'elle guérit quoi. Donc, moi, je m'occupe d'elle. Hein. Hier, je l'ai cherchée partout. Je ne sais pas où elle est. Elle allait se cacher, je ne sais pas où elle est. Bon, je crois qu'elle était partie. Et là, j'entends qu'elle est revenue. Donc, en fait, elle sort, elle passe cachée. Après, elle sort. Maintenant, elle ne veut plus aller à la chambre. Elle veut rester au salon avec moi. Moi, je ne veux pas qu'elle reste au salon. Je ne veux pas qu'elle reste au salon. Voilà. Non, elle est là. Ouais. Je danse les miens. Ah ouais, c'est une coquine, ouais, c'est une petite coquine, ouais. Il finit avec qui? Non, c'est un petit animal. C'est un volaille, un volatile. Moi, je ne mange pas les pigeons. Les pigeons sont porteurs de bonnes nouvelles. Je ne sais pas ça. On est à l'époque de la guerre, on utilisait les pigeons, hein. À l'époque de la guerre, on utilisait les pigeons. C'est les pigeons qui étaient les sentinelles. Hein, Carotex, c'est ça, non? Oui, c'est les pigeons qu'on élevait pour uniquement pour aller faire les courses. Ils viennent là chez toi. Tu donnes les petits papiers.
Mais oui, c'est eux qui étaient les... Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Les téléphones étaient coupés à la Première Guerre mondiale. Les téléphones étaient coupés, donc on utilisait les pigeons par leur connaissance. Oui, ce sont les pigeons qui... On mettait dans les pieds des pigeons, on mettait les informations et le pigeon volait jusqu'à l'autre ville pour donner les informations. Il prend encore les informations là-bas. C'est quand on a commencé à les tuer, qu'on a arrêté ça. Est-ce que je mens? Bon, on finit avec mon voisin. Non. Attendez que je perds un peu de poids. Parce que moi, j'aime souvent porter les petites choses à feu lent et tout ça. Je vais maigrir un peu. Un soir, je voulais calculer. Comment faire ça? Je ne peux pas avoir de briquet. Il va seulement regarder comme ça. Je dis que c'est le seul qui, avec tout le bruit que je fais souvent ici, il ne m'a jamais rondé. Jamais. Le seul. Danse le meilleur. C'est le seul. Il est là. Les pigeons transportaient les courriers, les informations. Ben oui. Non, les pigeons, ce sont pas les... Oui. Je ne sais pas comment ça se passait, comment on élevait les pigeons là, je ne sais pas comment ça se passait. Je ne sais pas comment ils font pour que les pigeons qui de là-bas pour aller de l'autre côté là-bas. Je ne sais pas comment les pigeons faisaient. Peut-être je ne sais pas ce qu'on les a fait. Mais c'était quand même marrant. Hein. Tu prends le pied du pigeon. Pendant la guerre, oui. C'était pendant la guerre qu'on les mettait ça au niveau des pieds. Et puis on les envoyait. Les pigeons vont voler, il part là-bas, se poser là-bas. Oui. Après, on donne encore des informations là-bas. C'est qu'on a commencé à aller. On a commencé à faire. À les tuer. Que ça s'est arrêté. Mais jusqu'à présent, maintenant, les pigeons transportent maintenant là. L'onkou, la cocaïne. Oui. Oui. Je ne sais pas comment ils arrivent à connecter les pigeons à telle ou telle maison. Je ne sais pas comment ils font ça. Oui. Nos voisins peuvent être là-bas en face. Tu mets ça. On vient me livrer. Le pigeon vient livrer. Il y avait aussi les pigeons espions. Ils allaient loin. Hein? Mais je dis, ils allaient loin. Les pigeons allaient loin. Ils allaient même dans les pays. Ils voyageaient dans les pays pour aller mettre les pigeons espions là. C'est pour ça que les pigeons, il ne faut pas tout l'utiliser. Peut-être qu'on les a éduqués. Peut-être qu'on les a élevés, éduqués, mais enfin, je ne sais pas comment on dit ça. Parce que vraiment, les pigeons. Ben oui. Bon, on les dressait peut-être, mais je pense qu'on les dressait. Les pigeons symbolisent la paix. Ah, c'est ça? Pourquoi tu dis ça? Ah oui, les pigeons, une espèce qui s'appelle pigeon voyageur. Parce que tu vois, c'est pour ça qu'il y a dit que, concernant, il y a certains animaux qui sont assez bizarres, ouais, c'est vrai. Les pigeons voyageurs. Oui, on les a dressés, parce que je n'arrive pas à comprendre. Thank you.
C'était eux. Les pigeons. Les pigeons symbolisent la paix. Mais qui n'aime pas la paix? Tout le monde aime la paix. Hein? Vous savez ça? Tout le monde aime la paix. Mais il y a parfois, il faut dire que zéro paix. Vrai, vrai. Il y a parfois, il faut dire zéro paix. Parce que franchement, il y a des choses où parfois tu dis que. C'est quoi ça? Ouh, ma mère, Valérie, c'est comment? Normalement. Beauté du jour, tu es comme moi. Moi, je n'aime pas la paix. Mais moi, j'aime la paix quand même parfois. Tu sais, c'est l'hypocrisie, quoi. Comme hier, j'étais au marché hier. D'accord. J'ai vu une voisine. Bonjour, ma soeur chérie Valérie, évidemment. J'ai vu un homme que je connais, sa femme, Marie, un blanc, avec une autre fille, une autre femme, avec un bébé. J'allais faire comment? J'étais étonné. Oui. Dans les quartiers, c'est comme ça. Les quartiers que les gens ne se parlent pas, c'est toujours comme ça. Il y a l'autre côté ici là, avec sa femme et deux enfants. Et celle qui avait l'enfant là, c'était une petite blanche. Et l'enfant les ressemblait. Il part carrément marcher avec lui, elle avec elle. Les histoires de paix là, je ne suis pas dedans. Voilà l'Ukraine ici là, à deux pas de la France, à deux pas de l'Europe. Voilà les gens qui meurent tous les jours ici en Ukraine. Ce sont les blancs qui s'attendent quoi pour mettre fin à ça. Comment on peut faire la guerre devant vos portes? Parce que la guerre profite à tout le monde, surtout aux gens qui vendent des armes, c'est tout. Bah oui. Qu'est-ce qui empêche la France, l'Europe, de faire quelque chose pour la Russie, pour les cessez-feu-là? Non. Mais quand il s'agit d'Israël, c'est là que tu es en train de tout le monde parler. Donc tous les jours, dans nos journaux ici, on n'entend que parler de ça. La Russie. Quelque chose est à côté. Vous partez soutenir les gens qui bagarrent, la bagarre d'éternité en éternité, Israël avec les Ngombe Gaza. Éternité en éternité. Vous quittez Kounia pour aller bagarrer là-bas. Alors que vous avez ça au sein de vos portes. Hein? L'Ukraine, c'est où? L'Ukraine, c'est l'Europe, c'est à côté, non? Il n'y a pas de cessez-feu. Mais vous voulez aller faire des cessez-feu en Israël et les Palestiniens, vraiment. Ça va faire un an là-bas, toute la vie. La guerre de 100 ans, c'est ça. Bien pour le docteur. Israël et la Palestine, on appelle ça la guerre de 100 ans.
la guerre de 100 ans. Vous allez partir séparer la guerre de 100 ans alors qu'il y a une guerre ici à côté de votre porte aussi. Est-ce que c'est normal qu'en Ukraine les gens vivent dans les bombes? Ici à côté, on ne fait rien. On va suivre. Les inconscients. J'ai encore pris le poids jusqu'à... Ouais. Moi, je ne peux pas demander pardon à qui que ce soit. Tu sais, je fais partie d'une espèce d'homme sur terre. Parce que bon, je suis une femme, bien sûr. Que moi, je ne demande... Que je demande pardon, c'est comme s'il veut mourir. À d'abord à qui? On ne donne pas pardon à ça comme ça. Pardon de quoi? Regardez le cycle de Facebook. Nous tous, on se fait du mal entre nous. Regardez le cycle, comment le cycle est. Aujourd'hui, tu étais avec telle personne, tu as insulté telle personne, le lendemain, vous voyez ensemble. Le lendemain, vous voyez encore ensemble. Donc, mieux vaut être comme je suis. Pardon. Ouais. Moi, j'aime plus, il faut l'acheter l'eau. Bon, mais Warren, ça fait longtemps aujourd'hui, non? J'ai déjà bavardé aujourd'hui. Et je réitère mes mots, je m'en fous de ce que vous allez penser. N'allez pas à la soirée de Frère de Lille, elle va vous manger. Mais oui, Facebook, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, hein? Il n'y a pas la fraternité à Facebook. Il y a les gens que parfois, au moment, les gens sont contents, les gens viennent vers toi. Et le jour, le lendemain, ils disparaissent, pouf. Ils ne sont plus avec toi, ils ne savent plus. Ils ne savent même pas de savoir qui tu es. Ah, moi, comme c'est moi, je suis quelqu'un de très respectueux. Donc, du coup, moi, j'ai peur d'aller chez les belles gens pour dire, hé, hey, Bradjan, ma soeur a fait ceci. Donc, voilà quoi. Moi, je suis pas dans la bec à bec. Non. Je ne suis pas dans la bec avec ça. Dans la vie, mieux vaut rester hypocrite. C'est l'hypocrisie qui fait gagner le monde. Je vous dis. Parce que tu es... Et puis tu vois les gens qui sont là. C'était moi. Okay. Ils sont là. Non. Ça, tout le monde est tourbillon à Facebook, mais moi j'ai plus ma version, je suis seul dans mon coin. Je ne veux plus en train de parler à qui que ce soit. Je suis moi seul dans mon coin. Mais moi je suis là seulement pour venir vous prévenir que n'allez pas aller faire certaines choses. Vous savez dit qu'elle est quoi? La troisième guerre mondiale. Ah, c'est entre eux là-bas, non? Mais ils vont se faire ça dur. Est-ce que c'est facile? Quand on dit souvent aux gens que... Est-ce que c'est facile? Avant, c'était comment? Il y a eu la guerre mondiale, non? Ils vont... Parce qu'il y a eu la première guerre mondiale. On a calmé. Entre eux, là. Deuxième guerre mondiale. La deuxième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale, alors. Ça va aller loin. C'est entre eux, là-bas, hein? C'est le Poutine des réseaux sociaux. Hein? Vraiment. Mon fils m'a quand même bien coiffé, c'était bien. Sauf que sur le site. Je colle ça, je vois acheter super glue. Je colle ça avec la super glue. Je ne sais même pas où la super glue ici.
Oui, c'est là, super que parce que la mèche, ça doit quand même finir. Je vais arriver ça à la fin du mois. Si ça commence à quitter, je vais colmater ça, c'est super glou. C'est joli. Merci. Mais tout de suite, je te conseille. Moi, je n'ai pas de soeur, moi, j'ai d'abord qui. Ma petite soeur, elle est monade, on a combien? 20 ans, non? En tout cas, ma soeur, merci beaucoup. Ah, mon Jean, c'est la troisième guerre mondiale. On va l'arbitrer, non? Hein, mon Jean? On va l'arbitrer. La troisième guerre mondiale, on va l'arbitrer. Mais c'est ça, mais peut-être que ça bouge un peu. On dormait déjà trop là. Il faut que ça bouge un peu. Pour moi, ça doit bouger. Hein, donc, voilà. Hein. Ça doit bouger. Non, on va l'arbitrer, moi, déjà. Non, pas. On arbitre des choses. Non, voilà, habité. Il faut que notre compte de Facebook bouge un peu, non? Nous, quoi, dans l'histoire? Nous, on va là, habité, moi, j'en. Mais, attends, les gens qui veulent aller à sa soirée partent, non? Moi, je vous parle, vous ne comprenez pas, que n'allez pas. Ce n'est même pas une manipulation, il y aura des trucs maléfiques là-bas. Vous allez perdre votre vie, vous allez là. Elle va récupérer votre chance. C'est tout. Quand la chocotte de monde était la première soirée, il y avait à 2h du matin, c'est à 3h, 2h du matin que les gens ont commencé à venir. De 20h à 2h du matin, les tables étaient encore vides. Les tables étaient vides. Toutes les tables étaient vides, même vers le fond, les tables étaient vides. Ne nous voilons pas les yeux. Les tables étaient vidées. Jalouse de qui? Quand vous ne m'avez pas. Tu étais là à la soirée, non? Tu n'étais pas là, Tchabda. Jalouse de quoi? Je veux être jalouse d'une femme qui n'a pas accouché. Quand on n'a pas d'enfant. Je peux être jalouse d'une femme que tu n'as jamais construit dans sa vie. Elle a conçu où? L'immeuble au Cameroun, elle n'a pas la villa, elle n'a pas tout ce qu'elle a. Elle n'a rien. Hein? Où est son produit FDS? Ça a tombé dans l'eau. Hein? Elle est partie en partenariat avec Raja Melani, le premier Raja Melani lui a fait sa bouche là-bas à Londres. Elle est partie en partenariat avec tout le monde. Elle a quoi? C'est une simple blogueuse comme moi. Sauf que elle est comment elle va faire son. Elle va faire laver son corps chez les marabouts. C'est pour ça. Il laisse les noms. Et que je la regarde. Donc voilà. Quand vous n'aimez pas la vérité, dès que tu commences à parler jalouse, moins d'erreurs, jalouse, moins d'erreurs, jalouse. Ok. Ah ouais. Bon, écoutez, je vous laisse. Hein. Bon, ben, je reviens. Le soir, j'ai déjà mangé. Non, je vais dormir un peu. Bisous. À tout à l'heure, merci.